marquage au sol doit donner le mouvement que nous allons faire pour la communion tout à l'heure. Le déambulatoire va venir au pied du gris de cœur, va monter un par un en file indienne dans le cœur. Il y aura deux points de communion et ces deux points de communion renverront vers les grilles latérales pour ressortir. Ensuite, le cœur fera le même mouvement en partant des rangs du fond, en montant par l'allée centrale et vous repartez par les côtés. Dans la nef, il y aura deux points de communion également. Vous, à partir des rangs du fond, vous avancerez sur l'allée centrale et vous repartirez par les côtés. Voilà qui nous garantira une sereine célébration pour que nous puissions vivre la fête de la Pentecôte de la joie la meilleure possible. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, mes frères, quelle joie de nous retrouver pour prier ensemble dans cette cathédrale. Bien sûr, nous étions unis par la prière, par la foi, avec nos possibilités, même si elles sont réduites, de rester en communion par les messes qui pouvaient être vues auxquelles vous pouviez vous associer sur YouTube, sans publicité extrême. Joie aussi de célébrer cette fête de la Pentecôte avec vous et avec une intention particulière, unie à travers les vierges consacrées du monde entier. S'il n'y avait pas eu le virus, je ne serais pas au milieu de vous, mais à Rome, avec toutes les vierges réunies pour célébrer un anniversaire. J'ai demandé aux vierges consacrées de notre diocèse d'animer cette messe et de nous entraîner dans la prière. Je laisse l'une d'entre elles s'exprimer à vous. Bonjour à tous. C'est vrai qu'il était prévu avant la pandémie que ce dimanche de Pentecôte soit célébré à Rome avec les vierges consacrées du monde entier, avec le pape François, avec Monseigneur de Richard, et notre évêque accompagnateur pour toute la France, pour célébrer cet anniversaire du nouveau rite de consécration des vierges, qui a été promulgué le 31 mai 1970 par la Sacrée Congrégation pour le culte divin à la suite du Concile Vatican II. Depuis cette date, comme dans l'Église primitive, il est possible de célébrer solennellement la consécration virginale des femmes qui restent dans leur propre contexte ordinaire de vie et enracinées dans leur Église diocésaine. Ainsi, depuis 50 ans, l'antique forme de vie de l'Ordo Virginum a refleuri. Sa vitalité se manifeste aujourd'hui dans la richesse multiforme des charismes personnels, au service de l'Église et du renouveau de la société, selon l'esprit de l'Évangile. On est environ 600 en France, et dans le diocèse d'Évreux, nous sommes actuellement 4 qui avons reçu cette consécration. Marie-Annie, que vous connaissez, qui chante. Régine, qui est en lien avec la paroisse de Netreville. Anne-Marie, qui est à Cormeilles et qui, pour des raisons de santé, ne peut être présente. Et moi-même, sur Notre-Dame de l'Annonce. Nous remercions chaleureusement Monseigneur Richard de nous permettre de vivre cet anniversaire parmi vous et avec vous. C'est l'occasion de rendre grâce pour le don qui nous est fait et aussi de témoigner de la joie de vivre notre baptême, ainsi dans le célibat consacré, dans une vie tout ordinaire, que le vent de Pentecôte vient habiter et transformer en signe de l'alliance éternelle du Christ et de son Église. Célébrer le don de l'Esprit Saint, c'est célébrer Dieu
qui se fait proche de nous, qui nous donne la force nécessaire pour témoigner de lui en ce monde. Reconnaissons qu'il nous a de ne pas correspondre à notre vocation, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, pardon pour tous les oublis de ta présence sur les chemins de nos vies. Pardon pour nos manques de foi en ton amour. Que l'Esprit Saint réveille notre cœur. Et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour.
la prédication évangélique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, on aurait dit de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des comtés de Lydie proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu, parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frère, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en lui. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forme qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Thank you.
C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » À cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ainsi, ayant parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Je le répète, oui, frères et sœurs, quelle joie de nous retrouver, comme l'on dit, en présentiel. Petit à petit, je l'espère, notre Église va pouvoir reprendre son rythme de croisière. Dans le témoignage de notre foi, dans la mission qui est la nôtre, ainsi. Comme un certain nombre, je pense, d'entre vous, j'ai dû m'initier à la vidéoconférence. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais hier, j'étais en lien avec des jeunes du secteur nord-est, des animateurs, pour précisément parler de ce texte d'évangile qui a été proclamé il y a quelques instants. Cette fête de la Pentecôte est d'abord et avant tout une fête de l'espérance, de la joie. Jésus, qui est toujours uni à son Père, tient ses engagements. À la Pentecôte, les apôtres reçoivent le don de l'Esprit Saint. Cet événement est réconfortant. Il est plein d'espérance pour notre Église. Jésus tient ses engagements. Si nous regardons comment nous nous comportons en société, nous observons que nous sommes malheureusement à l'heure du soupçon. Le soupçon, nous connaissions ce phénomène dans le domaine politique, mais avec le virus, nous voyons le soupçon apparaître dans le domaine médical, entre ceux que nous appelons les sachants. Soyons lucides, le soupçon existe également dans l'Église. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, entretiennent ce climat malsain de méfiance. Qui croit ? En qui avoir confiance? Comment accueillir sérieusement des engagements qui nous sont annoncés? Or, tenir ces engagements, c'est ce que nous attendons les uns des autres. La confiance est nécessaire pour mener à plusieurs des projets. Cela suppose de la part de chacun de l'humilité, ainsi que la volonté de s'impliquer en donnant le meilleur de soi-même. Et puis, reconnaissons que nos compétences sont limitées. Nous ne savons pas tout. Nous avons besoin les uns des autres.
cette fête de la Pentecôte nous procure l'occasion de relire depuis les origines de la création l'histoire qui se poursuit entre Dieu et l'humanité. Tout au long des siècles, Dieu se propose en permanence de contribuer au bonheur des hommes. Il les soutient en envoyant régulièrement des prophètes, des messagers, pour conclure avec eux des alliances. Il est important, je le répète, de prendre conscience que Dieu demeure fidèle aux engagements qu'il prend. Il est toujours prêt à faire les premiers pas, à restaurer les relations avec lui, y compris quand nous avons sérieusement détérioré ces relations. D'ailleurs, comment peut-il en être autrement? Il nous aime, il nous crée à son image. Attention, il nous suffit d'une seule chose, lui faire confiance, reconnaître, accueillir son Fils Jésus qui nous apporte le salut, le pardon de nos péchés. Et Jésus nous ouvre le chemin vers le royaume. Jésus a pris le temps nécessaire pour révéler aux Juifs de son époque le vrai visage de Dieu son Père, la qualité, la gratuité de son amour. Dans sa mission, Jésus dénonce le mal. Il appelle à un changement radical dans la manière de vivre la foi en Dieu, dans la façon de se comporter les uns envers les autres. Nous en faisons l'expérience. Les hommes, même si cela est nécessaire pour leur bien-être, aiment peu les changements qui remettent en cause ce à quoi ils sont habitués. Pour les baptisés que nous sommes, il ne s'agit pas de vouloir du changement pour du changement, non. Le changement dont il est question, c'est le changement qu'exige notre conversion. Notre conversion n'est jamais totalement achevée. Dieu seul est saint. Ainsi, Jésus est conscient des épreuves qu'affronteront les apôtres. Il leur a promis de ne jamais les abandonner. Il est et sera toujours avec eux. Il est toujours encore avec nous aujourd'hui. Les apôtres reçoivent donc une force, un défenseur, l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit Saint, ces hommes reçoivent les pouvoirs nécessaires pour la mission. Ils ont le pouvoir de remettre les péchés. Ils actualisent le salut qu'offre Jésus dans sa mort et sa résurrection. Frères et sœurs, soyons réconfortés. L'Esprit Saint traduit pour nous en acte l'amour de Dieu qui nous est offert pour vivre notre condition d'enfant de Dieu depuis notre baptême. Pour terminer, je souhaite revenir rapidement sur la vocation des vierges consacrées au cœur de l'Église. Dans l'Évangile, nous voyons que des femmes s'adjoignent au groupe des disciples qui écoutent et suivent Jésus. Très bien. Au début de l'Église, les femmes font librement le choix de consacrer toute leur personne, tout leur être au Christ. Elles s'engagent à demeurer vierges
pour lui, en se donnant totalement à lui, en le prenant pour époux, de même que notre Église est l'épouse du Christ. Je le sais, ce vocabulaire, cette réalité est parfois moquée, ridiculisée dans la société où nous sommes. Mais il y va de notre attachement au Christ. Et de façon prophétique, ces femmes annoncent le royaume de Dieu, où il n'y a plus ni homme, ni femme, mais des êtres communiant au même amour de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Soyons lucides. Choisir de suivre le Christ d'une façon ou d'une autre n'est pas facile, ne sera jamais facile. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Il nous apporte les soutiens nécessaires pour vivre nos engagements. Dans l'Église, aucune vocation n'est supérieure à une autre. Nous avons besoin du témoignage de foyers chrétiens dans le sacrement de mariage. Nous avons besoin du témoignage des diacres permanents qui sont destinés à proclamer la parole dans des zones qui sont moins familières à l'Église. Nous avons besoin de religieux, de religieuses et bien sûr de prêtres. Frères et sœurs, que la fidélité de Dieu dans ses engagements à notre égard soit source de joie pour les filles et les fils que nous sommes depuis notre baptême. La Pentecôte, c'est en quelque sorte notre anniversaire à chacune et chacun. Alors, bonne fête. Je crois en notre Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et mon Père qui vit et règne. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et parmi tous les chrétiens, pour nous les hommes et pour un seul, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a péché à la Vierge Marie et s'y fait homme. Crucifié pour nous sous Pontius, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il regarda dans la gloire pour juger les vivants et les morts et se soumettre dans la gloire de Dieu. Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé à notre Frère. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en ce jour, nous prenons conscience de la présence de l'Esprit-Saint en chacune et chacun de nous. C'est en toute confiance que nous adressons nos prières au Seigneur. Christ, bon pasteur des brebis, qui veut que ton Église soit toujours sainte et immaculée dans l'amour, regarde notre Saint-Père François, les évêques, les prêtres et les diacres. Chaque jour, par la puissance de ton esprit, que se renouvelle leur enthousiasme et l'intensité de leur foi. Avec foi, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Ô Christ, toi qui suscites le renouvellement des cœurs pour la paix et la justice, sois présent auprès de nos dirigeants. Apporte le discernement à nos responsables politiques. Aide-les à mettre en œuvre les changements qui conduiront à plus de solidarité et de respect de la création. Avec confiance, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours. Christ, présent à nos assemblées jusqu'à la fin du monde, soutiens nos communautés dans leur mission d'annonce de l'Évangile. Donne-nous de devenir davantage celles de la terre. Que nous soyons habités de l'Esprit, trésors de bien et donateurs de vie. Avec assurance, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Pour les personnes consacrées, en particulier pour les vierges consacrées vivant dans le monde, renouvelle en chacune les grâces de la consécration. Donne-leur d'être des témoins joyeux de la beauté d'appartenir au Christ, aimé comme époux. Qu'elles dédient leur vie aux chercheurs de sens,
aux familles, aux pauvres, aux personnes seules, celles qui sont marginalisées par la société. Appelle les vocations dans le monde qui a besoin et soutient celles qui naissent, en particulier pour Clémentine, qui sera consacrée demain dans la cathédrale de C. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. La nuit même où il sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Aurin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement ce matin, pour Guy Ducellier, Madeleine Mustière, Jérôme Éon, Martine Lemarié, Odette Cassius, Jacqueline Soligny, Jean Camal, Pierre Leclerc, le père Henri Couvreur, Daniel Chevalier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons
le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Dieu se serait bien. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour mémoire, les deux points de communion dans le cœur et deux points de communion dans la nef. Le déambulatoire arrive par le fond du cœur, avance pour communier, repart par les grilles. Et après, le cœur, en partant du rang du fond, avance par les centrales pour reprendre sa place. De même, dans la nef, le même mouvement. Thank you.
Prions ensemble. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse toujours avec plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont préparé notre cathédrale pour vivre cette première célébration en étant un peu plus nombreux. Je vous remercie aussi de porter avec attention les recommandations sanitaires qui nous sont faites. C'est un geste de charité pour les malades, mais aussi pour tous les soignants. Même s'il nous arrive de commettre encore quelques erreurs, je pense que nous progressons au fur et à mesure dans cette nouvelle pratique qui, je pense, durera que quelques temps, mais je n'engage que moi. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous allons chanter le Magnificat, mais je dis aussi, je préviens, au cas où vous seriez surpris, qu'avec cette fête de la Pentecôte se termine tout le temps pascal, ce qui veut dire que nous éteindrons dans quelques instants le cierge pascal et demain nous entrons dans le temps ordinaire de l'Église. Louons Marie. Le Seigneur fit pour moi. Mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il
glorifions Dieu.